Ah, c'est vous. Terrible dans ce qu'on vit. C'est plus d'un an, hein? Hein? On rigolait, mais on est dans de beaux draps. Ça dérègle tout, hein? Même le temps. Là qui neige au mois d'avril. Passe Noël au soleil et Pâques dans la neige. Tout est foutu avec ce fameux coronavirus, hein? Enfin. Si vous voulez faire dans des journées pareilles, lire un bon bouquin, écouter de la bonne musique. Pas de la bonne musique, on se comprend. Hein. Ce que les gens écoutent maintenant, pas de la gloire. Hein. C'est du hip. Hein. Ou du hop. Parfois même les deux. C'est vous dire. Non, où sont les Harry Fraxon, les Bert Silva, les Gaston Ouvrard, les Joséphine Baker. Ça, c'était de la musique. Hein. Des rythmes entraînants, des chansons qui vous donnaient du rythme, du gris, les crayons, les roses blanches. Ça, là, on savait s'amuser à l'époque. Hein. Tandis que maintenant, ça donne ça, quoi. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Je suis votre professeur. S'il vous plaît, levez-vous. Si vous ne comprenez rien, c'est normal, lisez les sous-titres. Je répète, lisez les sous-titres. On nous le dit souvent, nous autres les professeurs, à tout le temps causé, tous les jours, à toute heure, on a fini par être, à force de harangue, des pros de l'éloquence, des maîtres de la langue. Nous parlons, 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 on parle tant et plus, c'est notre adrénaline, c'est nos montagnes russes. Alors avec nos masques, vous pensez si l'on souffre, nos belles intonations finissent au fond d'un gouffre. Les avocats envient nos inflexions de voix, les prêtres, les rockeurs, les chanteuses d'opéra. S'ils avaient nos dons, rouleraient en Rolls Royce, dès qu'on ouvre se tournent les jurys de The Voice. J'ai connu des rappeurs, des stars de la télé, qui dans leur souvenirs cherchaient à retrouver le phrasé si précis, le flow si fantastique d'un professeur de grec ou de mathématiques. Si vous regardez bien sur les pochettes de disques, les succès du hip-hop, des gloires du top 10, vous trouverez toujours dans les remerciements un spécial texto à la prof de flamand. Lors d'une battle de rap, une simple institutrice fait pleurer les bad boys. Au sommet, elle se hisse, tant ses phrases sont nettes, tant ses phrases sont claires et puissant et sonore tout son vocabulaire. Mais depuis près d'un an, avec ça sur la bouche, même quand on articule, on dirait qu'on se mouche ou qu'on parle en anglais. Que veux-tu qu'on y fasse? Je sais c'est dégoûtant, je sais c'est dégueulasse. C'est moi le professeur, celui qui cause pour du beurre. Et tous les autres ne sont que des pauvres imitateurs. Alors, si tu ne comprends rien à ce que je dis, lis les sous-titres. Lis les sous-titres. Ouais, c'est moi le professeur, celui qui cause pour du beurre. Et tous les autres ne sont que des pauvres imitateurs. Alors, si tu ne comprends rien à ce que je dis, bah lis les sous-titres. Lis les sous-titres, vas-y. Compte bien les syllabes, c'est des alexandrins, c'est du joli travail, fignolé avec soin. Mais personne n'entend toutes ces jolies merveilles, je pourrais dire fork que ce serait pareil. En rage, au désespoir, en détresse ennemie, on a des choses à dire, nous les profs de chimie. Et nous les profs de maths, on a une belle voix, en rage, au désespoir, en cruel désarroi. Nous les éducateurs, parfois on désespère, on ne nous comprend pas, alors on crie colère. Moi quand je trie les sous, je n'ai même plus le droit, pour tourner les billets, de me lécher les doigts. Et moi je me demande quand reviendra le temps, où je pourrai remettre le froc que j'aimais tant. Nous dans nos cours de langue, la prononciation n'a pas la même saveur quand elle porte un maillon. Moi je ne parviens pas à allumer l'ordi, et moi pour les visios, je suis bien trop petit. Et si je réussis à partager l'écran, c'est cette saloperie de réseau qui fout le camp. C'est moi le professeur, celui qui cause pour du beurre. Et tous les autres ne sont que des pauvres imitateurs. Alors, si tu ne comprends rien à ce que je dis, lis les sous-titres. Lis les sous-titres. Lis les sous-titres. C'est moi le professeur, celui qui cause pour du beurre. Et tous les autres ne sont que des pauvres imitateurs. Alors, si tu ne comprends rien à ce que je dis, bah vas-y, lis les sous-titres. Mais on ne veut pas se plaindre, on n'est pas des grincheux. Tu n'entends pas ma voix, mais tu vois mes beaux yeux. Et c'est déjà pas mal, imagine que il s'avère que le virus se transmet par les cils. Par les lobes d'oreilles, ah nous n'entendrions plus le chant des oiseaux, ni le chant des poissons. Par le coup de ma foi, le tort serait minuscule. Mais par un autre endroit, ce serait ridicule. Pas le choix, nous prenons notre mal en patience. Nous élevons la voix pour augmenter nos chances. À force d'entraînement, d'être entendu de loin, certaines parmi nous n'en avaient pas besoin. Maintenant, on espère qu'un jour on ôtera ce masque de misère qui étouffe nos voix. Mais il faudra alors, comme à chaque printemps, nettoyer le jardin et bien laver ses dents. On nous le dit souvent, nous autres, les professeurs, à tout le temps causé, tous les jours à toute heure, on a fini par être, à force de harangue, des pros de l'éloquence, des maîtres de la langue. C'est moi le professeur, celui qui cause pour du beurre, et tous les autres ne sont que des pauvres imitateurs. Alors, si tu ne comprends rien à ce que je dis, lis les sous-titres. Lis les sous-titres, lis les sous-titres. C'est
c'est moi le professeur, celui qui cause pour du beurre. Et tous les autres ne sont que des pauvres imitateurs. Alors, si tu ne comprends rien à ce que je dis, ben, lis les sous-titres. Lis les sous-titres maintenant. Allez, journal de classe, 2 points, lisez les sous-titres. Pour la semaine prochaine, vous serez interrogé là-dessus. Vous lisez les sous-titres, s'il vous plaît. Merci.